Dis-moi quelles sont tes routines et je te dirai quelle est la qualité de vie que tu as en ce moment. Tu l'auras compris, les routines, c'est très important. C'est ce qui conditionne ta journée, ta semaine, ton mois et ton année. Une journée non planifiée, sans routine, sans habitude efficace est une journée de perdu. Ce qui est vrai pour la journée est vrai pour la semaine, pour le mois et pour l'année. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi un exemple de routine simple, efficace, mais surtout qui donne d'énormes résultats. La première des choses à faire dès que tu ouvres les yeux, c'est de t'asseoir sur le bord de ton lit et de faire des respirations comme ceci. Tu lèves la main, tu inspires, tu baisses les mains, tu expires. Et ça fait ça. À faire juste 30 fois. 30 fois, ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais par contre, son effet est génial. Ça te réveille ton corps, ça oxygène ton cerveau et ça te met en mode « allez, 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 on se réveille ». Et c'est la journée qui démarre. Donc ça, c'est la première des choses avec laquelle tu commences, c'est la respiration. Ensuite, tu as le sport pour ceux qui le peuvent. 10 minutes, ça peut être faire semblant de sauter à la corde, comme je peux avoir une corde. Ça peut être juste des élévations de genoux, ça peut être des pompes. Il y a énormément de contenu gratuit sur YouTube pour pouvoir faire 10 minutes de sport chez soi à la maison. Donc le deuxième secret pour avoir une vie exceptionnel, c'est d'avoir une routine qui est consistante. Et la deuxième clé, c'est le sport. La troisième est très importante parce que c'est ce qui va conditionner les émotions que tu vas vivre tout au long de ta journée. Beaucoup de gens se réveillent avec le stress, avec l'angoisse, avec la fatigue, avec peut-être la tristesse, etc., avec la colère. Ce que je vais te donner là maintenant, ça va reset toutes ces émotions-là négatives et ça va reprogrammer des émotions positive. Qu'est-ce que c'est que cette troisième clé? C'est la gratitude. La gratitude, personnellement, je la fais tout le temps sous ma douche. Pendant que je prends ma douche, pour moi, c'est un temps mort, je l'occupe. Et on a énormément de temps mort dans la journée. Pendant que tu conduis, c'est un temps mort. Pendant que tu montes les escaliers ou l'ascenseur, c'est un temps mort. Pendant que tu attends dans une salle chez un médecin, c'est un temps mort. Commence à prendre l'habitude d'occuper tes temps morts avec énormément de choses. Mais ça, je te donnerai ça dans une autre vidéo. Pour le moment, je te donne le temps mort du matin sous la douche. Faire ta gratitude et le dire à voix haute avec « Je suis reconnaissante d'être, de m'être réveillée ce matin ». Moi, aujourd'hui, tous les matins, je le dis, j'ai un garçon de 22 ans. Je me dis « Mon Dieu, alhamdoulilah, il n'est pas orphelin parce que le bon Dieu a décidé de me redonner la vie ce matin ». Même ça, on ne le voit plus. On a l'impression que c'est de l'acquis. Ça n'est pas de l'acquis. De même, mon enfant peut être orphelin. Mais aujourd'hui, donc j'ai de la gratitude par rapport à ça. J'ai de la gratitude. Personnellement, je préfère le dire en arabe parce que c'est ma langue maternelle. Je dis « Hamdak ya abdou shkrtak ala hadi ou ala hadi ou ala hadi »« Hamdak » Mais à chaque fois, je dis « Hamdak ou shakrak ». Donc à chaque fois, l'astuce, c'est de dire « Je suis reconnaissante pour telle chose. Je suis reconnaissante pour l'eau chaude. Je suis reconnaissante d'avoir un toit sous la tête. » Je suis reconnaissante parce que mes parents sont encore en vie. Et vous allez voir, dès que vous commencez ça, il y a une magie qui s'opère qui est extraordinaire. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de peur. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de colère. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de tristesse. Donc déjà, quel que soit le mood dans lequel vous êtes réveillé le matin, le simple fait d'évoquer la gratitude, ça fait Céline, hein? On reset les émotions négatives et on met en place des émotions positives. Tu as fini ta douche, super! Il est grand temps maintenant d'activer ton GPS de la journée. Qu'est-ce que j'appelle ton GPS de la journée? C'est fixer des objectifs. Je ne t'en demande pas des tonnes, juste 3. Pourquoi? Parce que j'aime les baby steps. Si demain il y a une montagne énorme et je te demande de la déplacer, est-ce que tu vas pouvoir la déplacer? Tu vas me dire, Naïd, ça va pas ou quoi? Elle est huge ta montagne, je peux même pas. Non! Mais si je te dis, déplace-la par petits bouts, est-ce que tu vas venir à bout de cette montagne? Je suis certaine que oui. Au bout d'un certain nombre, peut-être 2 mois ou d'années. Mais c'est sûr que tu sauras la déplacer parce que tu vas la déplacer par petits bouts. C'est pour ça que je te demande juste 3 objectifs. De ta journée, quels sont les 3 objectifs, quoi qu'il arrive, tu finiras par les atteindre dans ta journée. Ça, ça te met en place un mindset d'un achiever. Quand je fais quelque chose, je fais a doer, je finis par faire mes objectifs et les atteindre.
Et avec le temps, les 3 vont devenir 4, vont devenir 5, 10, 20, j'en sais rien. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est pourquoi je vais faire tout ça aujourd'hui. Et c'est important. Sans motivation, on ne peut rien faire. Avec un maximum de motivation, on peut déplacer des montagnes. L'astuce que je vais te donner par rapport à pourquoi le faire aujourd'hui, c'est te donner des raisons honorables qui vont te booster, qui vont te faire avancer, qui vont t'obliger à passer à l'action aujourd'hui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, pas hier, pas dans 5 minutes, pas dans 20 ans, aujourd'hui, maintenant, maintenant. Et tu sais ce que c'est? C'est pour qui tu le fais. Ta motivation, tu dois la puiser par rapport à un sens de l'urgence ou alors par rapport à la peur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe à l'action? C'est tous les garde-fous que tu vas te mettre pour pouvoir te pousser à aller plus vite, aller plus haut et aller plus loin. Certaines personnes vont choisir de dire « Ouh là là, ce rêve, j'ai envie de le réaliser parce que j'ai envie de faire plaisir à mes parents tant qu'ils sont vivants. Ouh là là, ça, j'ai envie de le faire tout de suite maintenant parce que j'ai mon fils bientôt va être, par exemple, amené à choisir une université et j'ai envie d'avoir les moyens pour lui payer telle université. » À vous de trouver, elle est où votre clé par rapport à l'urgence et elle est où votre clé par rapport à la peur. À ton tour maintenant. J'aime bien travailler et accompagner les gens qui sont engagés. Pour toutes les personnes qui sont engagées, j'aimerais que tu me mettes en commentaire qu'est-ce que tu comptes mettre en place et sur combien de temps. Si ça se trouve, quelqu'un va me dire non, faire les 4 en même temps, mais des premiers jours, ça fait un peu beaucoup. Moi, j'ai décidé d'en faire 2 et puis avec du temps, je vais rajouter le 3e et le 4e. L'essentiel, c'est de démarrer à ton clavier. Laisse-moi les commentaires et surtout, dans 2 mois, revenez sur cette vidéo ou alors envoyez-moi en inbox quels sont les résultats exceptionnels auxquels vous êtes arrivés grâce à cette routine qui finalement ne prend pas tant que ça de temps. Avoir de bonnes routines pour créer la vie de mes rêves, check. C'était Nahid Rached, Hada Houa, et Allah Yahfidhkom.